poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? C'est ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard. Puisque la vie n'est remplie que de farbas, tels que ces profs qui avant d'avoir des preuves me montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, par le compagnie d'eux, armé d'eux, et me vois âne. Je guette ma proie près du distributeur. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Puis vient un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Mais confuse, c'est le rire lorsque la victime résiste. On ne se redonne jamais, c'est juste une autre sur la liste. Mais cette fois-ci, malheureusement les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêté, gardé en GAV. Les inspecteurs essaient en vain de me faire cracher le morceau. Utilisent la menace pour que je craque, balance mes pacos. Mais pas question, les vrais numbos ne balancent pas. Alors je ferme ma gueule, j'assume et je reste froid devant les insultes. Je me rappelle personnellement qu'ici je ne suis qu'un étranger. Obligé, on passe photo, empreinte, photo, empreinte. Traité en quinfri mafioso, en moi monter la crainte. L'Algérien d'à côté voudrait seulement fumer. Mais à force d'être insulté, il voudrait même se suicider. Il rentre à 8 dans la cellule, le tabac sa mort. Le fils de pute ma sale, il dit un keuf à qui je souhaite la mort. À qui le tour? Tête à moi ce jour. J'ai senti la patate, mais crois-moi, regarde-moi, je suis par contre Nekin. De plus, je n'ai commis qu'un petit délit. 48 heures qu'on garde ici. Pète un plomb, plus si crois que je vais donner des noms. Si savait qu'il perdrait beaucoup moins de temps, me suçant la bite. Maintenant tu sais qu'où j'habite, le 94-310. Avec nous y'a pas de piste. Sais-tu ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard?